Ça Salut! se présente comme ça à l'intérieur. Il y a différents types de fils avec différentes tailles. Il y a aussi une lame pour le bistouri. Et voici les instruments. Par contre, les gants n'étaient pas inclus dans le kit. Je vais mettre mes gants tout d'abord. J'ai tout le matériel dont j'ai besoin juste devant moi là. Et j'ai l'aiguille avec le fil. Donc c'est parti. Pour les gars, ils sont un peu grands pour moi, mais c'est pas grave. Je vais essayer de faire un point sur cette suture. Allez, c'est parti. J'ai reçu ce kit pour mon anniversaire et franchement, je suis trop contente. D'autant plus que le lendemain, j'avais un atelier suture en P2 médecine. Ce premier point n'a pas été facile à réaliser. On voit plusieurs fois que j'essaye de faire rentrer l'aiguille dans la peau. Mais en fait, j'allais trop loin parce que je ne savais pas à quelle distance il fallait que je sorte en fait. Vous me voyez plusieurs fois regarder à droite parce qu'en fait, je regardais sur mon ordinateur les vidéos qui sont incluses dans le kit et qui sont gratuites. Vous avez au moins 7 vidéos avec différents types de sutures et de points qui vous expliquent pas à pas comment les faire. Ça ressemble à quelque chose et eux après ils font un deuxième nœud. Ça. Donc, en fait après ils le prennent dans la main. Donc, on recommence à faire la même chose. J'ai volontairement laissé cette partie de la vidéo non accélérée parce que c'était très drôle. Je savais vraiment pas quoi faire. Oh non. Et vous pouvez donc voir que être étudiant en médecine, c'est pas facile. Pour réaliser ce premier point, j'ai donc piqué la berge du haut, puis je suis ressortie vers la berge du bas. Ensuite, le fil où il y avait l'aiguille, je l'ai enroulé deux fois autour du porte-aiguille et je suis allée attraper le morceau de fil restant. Ensuite, j'ai tiré. J'étais tellement heureuse et tellement fière de moi. Regardez! Ensuite, il faut que je coupe ce qui dépasse. Bon, c'est dur, partie 2, c'est parti! J'ai réessayé de faire un deuxième point et c'était beaucoup plus facile que la première fois. Donc, j'ai piqué la berge du haut. Puis, je suis passée en bas pour ressortir vers la berge du bas. J'ai pris le fil où il y avait l'aiguille. J'ai fait un tour, même si à la base, il faut faire deux tours, ok? Donc, j'ai fait un tour autour du porte-aiguille et je suis allée attraper le petit morceau de fil restant. Et j'ai refait un nœud pour solidifier le point. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo improvisée de mes premières sutures. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker. Et voilà, je vous laisse avec une petite photo du kit de suture. Bisous!